Mets lui dans la gueule, hein, vu comment elle est ouverte. Ça ira plus vite. Elle est incroyable, cette scène. C'est trop drôle. Il t'a dit merci. Ah. Attends, je lui fais un... Attention, cœur, attention, le petit. Le sarcophage. Regarde, ils emmerdent. Attention, c'est peut-être un bait. Le petit, par contre, je resterai pas devant, hein, à ta place, mon pote. On touche pas au sarco. Comme ça, il va comprendre, il va s'allonger. Au pire, on lui marquera pour qu'il reprenne sa vie. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est trop stylé. Tellement calé les... C'est trop mignon. C'est trop mignon, j'adore. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Pass of Titan. On va être à 3 aujourd'hui avec Esta et Kilira et on va jouer en tant qu'herbivore, sachant que là c'est vraiment le début du serveur au moment du lancement, donc il va y avoir aussi des réglages qui vont être faits au milieu pour essayer de patcher les lags et tout ça. Bref, c'est vraiment les prémices du serveur, mais je voulais vous tourner justement une vidéo sympa dessus avec un petit pack d'herbivores. Donc on est parti les amis. C'est plus de speed, moins de défense et du saignement. Ah oui, c'est ça les pics que vous parliez sur le... Ouais. Oh, c'est stylé par contre les pics derrière. C'est stylé, hein. Ça veut dire genre quelqu'un qui nous attaque, il se... Quoique... Ouais, mais s'il nous attaque, il a très peu de chances de toucher les pics en vrai. Ouais, mais je pense que c'est quand nous on attaque. Oui, je pense. Quand nous on se défend. Ok. Sinon, plus de damage, moins de défense. Là, c'était quoi? Plus de speed, moins de défense, ok. Ah oui, là, les pics, elles sont encore plus vénères. Et c'est vraiment les pics qui causent du bleeding. Ou alors vraiment que de la défense. Vous êtes chaud, pourquoi? Bah, on est trois. Il y a trois types. Tu prends les trois types. Ouais. Alors, ce qui me dérange juste, c'est qu'il y en a un qui aura plus de speed que les deux autres. Ouais. Et mais donc, ça peut être chiant pour lui, c'est d'attendre et tout. Bon, bah, après, moi, je veux bien le prendre, ça me gêne pas. Ou scouter à la limite, sinon. C'est celui que j'avais pris en plus de base. Ouais, c'est celui qui peut scout au pire et tout ça. Moi en vrai, je suis un gros bourrin, je me verrais bien en mode de plus de damage, moins de défense et... Moi aussi, en plus le plus de défense, il est moche. En vrai, non, ça va. Mais non, mais tu sais qu'on peut prendre le même, hein, si tu veux. Non, mais je prends le plus de défense si vous voulez, comme ça et on est split. Honnêtement, non, pas besoin, on peut prendre les deux en dégâts, comme ça on est trois, donc si on se fait attaquer, on mettra des saltartes. Ouais. Comme ça, on va se mettre les pics entre nous. Tu vas voir, ça va être incroyable. Donc je mets plus damage, moins de défense et spine cause bleed. Ouais, en fait, tu prends celui que tu veux concrètement. En vrai. Ok. Mais moi, je vais prendre ça aussi, ouais. Allez, et nos prénoms, mais quoi, on met quand même le pseudo à nous. Ouais, on prend le pseudo. Ah. Bah, du coup, on va tous partir en plus damage. Hein. Ah, finalement. Ouais, bah, je vais pas être le seul à avoir du speed. Tu sais, le mec qui va tout seul devant. Non. Ah, les pics, on peut les changer, je peux les mettre aux couleurs de la chaîne. Comme ça, on me reconnaîtra pas. Bah, si, on va te reconnaître de loin, je pense, du coup. En vrai, c'est trop drôle, je vais faire ça, moi. Entrer dans le monde. Sans la couleur, on pourra la changer. Pas gênant. Oui. Le faire quand même assez sombre, justement, pour rester cohérent. Le noir et orange. Ah, il est pas dégueu. On a déjà des épines et tout quand on est. Ah ouais? Oh, mais quelle merde que ça doit être, ça. Terror, c'est... Oh, il est tout petit. Il y a Rikiki, t'as vu? On a des bébés pics au début. Hein. Les roches de sel, ça m'a l'air d'être ce qu'il y a là, face. Moi ici, je dois collecter des glands, mais du coup, c'est pas, ouais, c'est pas du tout pour moi, une quête de groupe. Moi, j'ai collecté 25 branches. Pas de règles pour le moment. Pas de règles tout court. Pas de règles tout court. C'était marqué dans l'annonce et de toute façon, la vidéo, elle arrive dans 5 minutes et ils ont les infos aussi. Donc... Il y en a qui savent. Alors... Il y en a qui ont lu. Ça, c'est pas les roches de sel? De quoi? Si, c'est ça, roches de sel collectées. Bon, toi, t'es qui? T'es là-bas? Moi, je suis vert. Voilà, j'ai collecté. Source de nourriture épuisée. Ah, c'est de la bouffe en plus, ça. D'accord. Oui. Je savais pas. Ça, y a pas. Alors, attends, gland, roches de sel et branches. Ça va, notre stamina, elle a pas l'air de trop s'épuiser. Enfin, je pense que plus on va grandir, plus ça va s'épuiser vite. Ouais, je pense. Quand t'es bébé, la stam elle descend très lentement, j'ai remarqué sur le sol. Ouais, généralement. Ah, ok. Moi, il me faut collecter des branches pour ma quête perso.
Bah vas-y, je te laisse les ramasser du coup. Est-ce que toi voilà. aussi tu les as en perso? Non, je viens de la finir là, moi en... Ok. L'avantage c'est que c'est un truc différent au moins en perso, par contre le problème c'est que... Bah maintenant moi faut que je fasse des glands en perso. Ah non, non, non. Eh, ah non, c'est mes glands. De suite, c'est mes glands. Est-ce que là-bas ça doit être des branches aussi? Ah parce qu'on a regardé... Il m'en reste plus beaucoup. Ah du coup, ouais, vu qu'on commence pas dans une grotte, on a même pas d'attaque quand on spawn. Ah ouais, exact. MDR. Attends, personnage, capacité... On ah ouais, le on a le coup de tête mais on peut pas le mettre, faut trouver une... Ah quoi que. Si, j'ai pu le mettre moi. Ah mais je suis admin, c'est pour ça. Toi tu peux pas le mettre? Bah non. Et Je regarde moi si je peux le mettre. Coup de tête. De pouvoir parce qu'on est admin sur le serve, mais du coup, ah ouais, y a pas moyen de se déloguer d'admin ah en plus oui, sur ouais, ce si truc là donc non, mais on le met pas, hein, puisqu'on n'a pas le droit. Pas le coup de tête, de toute façon. Non, non, mais enlève-le, moi je l'ai enlevé. On ira le mettre quand même dans une grotte, t'inquiète, on fera un normal, mais par contre, ouais, y a pas moyen de se s'enlever comment d'admin. On l'enlève Ben, on peut pas vraiment en fait, parce qu'on est de base sur le serveur, tu sais. Non, mais comment on enlève le coup de tête? Ah, bah tu recliques comme pour le mettre, sauf que tu mets rien à la place. Et ça l'enlève. Ah, d'accord, ok, ouais. Merci. On ira le mettre dans une grotte, de toute façon. On est où sur la map là? En haut à droite? Ah ouais, mais grotte, les grottes, je crois, sont loin. Ça va être. Au sud, hein, je crois. Attendez, vous êtes déjà partis, les copains? Grand lac, moi je vais peut-être pas nager là-bas hein, avec nos dinos. C'est compliqué à hein, traverser. Hein. On a pas des sarcos là. Non, mais on va pas aller traverser le grand lac. Bah. Il y a une grotte à côté du grand lac. C'est à la gauche? Non, au nord, tu vois la petite... Ah bah je l'ai pas débloqué, c'est pour ça. T'as un tout petit étang, en fait, au nord du Grand Lac. Et okay, je le vois pas, c'est pour là, ça. Et là, il y a une grotte. Bah tant mieux, tu me feras explorer cette zone alors. Ah, il y a des glands là. Oh, si vous où ça? Estelle est en train de tout manger. Il va me les voler. C'est bon. Là, je te laisse le reste. C'est gentil. Ouais, parce que j'ai déjà validé une quête, donc... Bah oui, c'est pour ça. Faut pas targer. Mais moi, regardez, je me bats pas avec vous, moi c'est maintenant targer, collecter ouais. des Faut pas targer, de hein, sel. Ouais, faut pas targer. Déjà, moi, on va faire les... Déjà, si on fait les quêtes de groupe, ça va nous mettre pas trop mal. Quoi? Tu peux l'équiper, le coup de tête, au fil? Ouais, ouais, ça y est. Ah, donc c'était pas du tout parce c'est qu'on était admin, non? C'est qui qui a crié? Non, c'est vous, ok. Mais alors, pourquoi tu pouvais pas l'équiper tout à l'heure? T'avais mal bah, fait? Bah, j'ai dû mal le faire. Et par contre, est-ce que là, le coup de queue que t'as débloqué, par tu peux l'équiper ou pas? Non, je suis obligé d'aller à la grotte. D'accord, donc le jeu est quand même bien fait, on n'a pas la grotte de départ parce que je l'ai enlevé pour pas qu'on ait le tuto, mais on est d'accord qu'on peut tous équiper en fait la première attaque. D'accord. Okay. Donc c'est bon, on peut la mettre aussi. Parce que Esta n'est pas admin hein, de toute manière, donc il n'y a pas de... Ok, c'était pas un... Le petit bruit qu'on fait, ça me fume. C'était pas un truc admin. Alors. Par contre, effectivement, voilà, la deuxième attaque, ça on sera obligé d'aller à la grotte comme pour les trucs basiques. Quoi. Okay. Ok, c'est bien d'avoir la mise à jour. De l'info. Ouais, c'est mieux comme ça parce que ouais, c'est pour ça moi j'étais déjà en mode tu sais que j'étais déjà en train de regarder à côté dans les réglages en mode attends, faut que je règle ça parce qu'on peut pas ne pas commencer avec une compétence quoi. Bon, est-ce qu'on se déplace parce que là on est en train d'enchaîner toutes les quêtes mais il y en a à l'infini donc est-ce qu'on se déplace? Bah, tu sais que d'habitude c'est pas forcément à l'infini et cette zone est incroyable hein, niveau quête hein. Donc moi je me finirais bien les branches quand même. Hein. Vraiment. Le problème des branches c'est que elles ont pas repop. Là, j'en ai quand même un sacré paquet. Non, mais si tu veux, vas-y, on peut se déplacer. Franchement, on a récupéré pas mal de marks hein, déjà, je pense. Bah, moi là, en ayant débloqué, je suis encore à 900 marks. Moi, je suis à 1300. Moi, je suis à 1180. Et j'en ai déjà dépensé 500. Ouais, c'est 500 pour. Ah, moi, j'ai rien. Bah, vas-y, je vais le débloquer aussi. De toute façon, une attaque qui cause des dégâts légers avec la queue. Vous devez être à l'intérieur d'une grotte d'accueil pour modifier vos capacités. Donc c'est ça, on n'a pas du tout d'avantage admin en fait. Hein. Je me confirme, c'est bon. Non mais ça me rassure, c'est jamais. Oui, c'est sûr. Du coup, on bouge ? Bah écoute, ouais, on va aller au sud. Bah ça dépend. Ouais, tu nous amènes quand même à la grotte, comme ça on l'aura tous débloqué celle-là. Ça nous permet de prendre la deuxième attaque éventuellement. Et après, on peut bouger un petit peu. Hein. On peut se balader. Oh, le petit bruit. Attendez deux secondes, je regarde un peu les skins qu'il y a aussi vite fait. Voir s'il y a des skins intéressants. Moi je suis déjà en mu. Ah ouais? Bah tout doucement ouais peut-être. Ouais, j'aime bien celui-là mais bon.
Après, ma couleur de base, j'avais bien aimé ce que j'ai fait. Oh, par contre, 10 000 ce skin, 10 000 celui-ci. Moi, il y en a un, il coûte 1000. Je le trouve trop beau. C'est le quatrième en haut. Le patchy. J'aime bien. Moi, j'ai mis le backer. Tout en bas à droite, cadre rouge. Ouais, je le vois sur l'a on l'a déjà de base. Du coup, je dis tiens, je vais le switcher. Ouais, je crois que c'est avec le pack qu'on a eu, mais je suis pas sûr. Ah ouais. Je sais pas, en vrai, j'aime limite mieux mon skin actuel que les autres. En console, peut aussi finalement. Ça marche sur PS4 pour moi, j'ai Spino PS5. Ok, ouais, donc le cross-platform fonctionne sur le serveur. Bon bah c'est une info officialisée alors pour ceux qui se posaient la question, écoute hein. Ouais. Je pensais pas que ça marcherait, mais du coup j'avais dit tester, de toute façon ça coûte rien si les gens ont déjà le jeu, mais je savais pas que ça marchait sur les commus. Mais tant mieux, c'est cool, c'est trop bien. C'est trop bien. Génial. Ouais voilà, je viens de voir la vidéo, il disait que ça marcherait sûrement pas sur console, c'est moi vous dire que oui ça marche. Et bah tant mieux, c'est parfait, ça fait plaisir. Ça tout le monde peut nous rejoindre et profiter. Arriver au point d'eau vite fait et ensuite arriver à la grotte. Ah oui, t'as raison, on va boire un coup. Allez hop, à la paille. J'aime bien ce petit point d'eau là d'ailleurs. Il est mignon. Vas-y, couche-toi dedans, hein. Salis les. Allez, vas-y. Je vais me noyer. Ah oui, ça va mourir en fait là. Qu'est-ce que tu fous? Allez, on y va, la grotte à côté. J'avoue que c'est bien de connaître un peu tous les spots de grotte, par contre sur la map là, de les débloquer. Ouais, ça c'est bien. Ça va aider. T'avances pas à l'aveugle quoi, c'est cool. J'ai presque envie d'attendre de passer à dos, histoire d'avoir une autre compétence à débloquer là-bas, comme ça on débloque tout. Bah au pire, on se met à côté, on peut faire des quêtes en attendant. On accueille des fleurs, livrer 10 fleurs, collecter 100 fleurs. Bon, y'a vraiment eu un cri vers vous ou c'est Stacky Troll là? Bah je sais pas, moi j'entends... Non, j'ai vraiment entendu un cri. Attends, j'étais devant la grotte et devant la grotte. Ça bégait là d'un seul coup, hein. On chie dans son froc, hein. ouais. Allez, viens. Ça, c'était pas un cri d'herbivore. Force. Ouais, j'arrive, j'ai fini ma petite quête. On est pas tout seul, bah juste, on se remet full nourriture vu qu'il y avait un petit spot à côté encore. Allez, viens. Full tout et on descend à la grotte. Attends. Et ouais, ouais. Viens. J'étais là-bas, je crois. Oh, j'ai grandi! Ça va plus tarder aussi. Ça y est, j'ai poussé un peu. Ah ouais? Ouais. Après, moi, je suis une femelle. Est-ce que, du coup, je suis pas un peu plus petite? Mais c'est vrai, en plus. Je sais pas. Elle était où, la bouffe? Ben, Je suis tout le temps en train de regarder derrière. Je crois que c'était là-bas en face. Ça m'a fait peur, le bruit, hein. Je crois que c'était là-bas en face, je sais plus, c'est toi qui l'avais vu de base en plus. Bah ouais, mais on a tellement bougé que... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Attends, déjà. On va se faire becquer avant l'heure. Mais toujours full, moi. Il me semble que c'était sur une parcelle un peu comme ça, mais... De toute façon, on peut en trouver, même si c'était pas elle. Là, en face, ouais. Ok. Vous ça avez y est. De croissance adolescent. Toi aussi. Ok, on est à peu près synchrono du coup. Les gars, on va becquer, on va se manger en même temps. Oh là là, le petit groupe là. Tout stylé. C'est incroyable, hein. Et d'ailleurs, regarde, mais j'ai mieux. Ouais, je suis en train de regarder justement. Je crois que c'est ça en mue vraiment petit à petit dans le jeu. Ah, je me dégourdis les pattes. C'est bizarre comment il met les pattes avant. On dirait qu'il est accoudé. C'est très bizarre. Vas-y, on descend à la grotte. On y va. Est-ce qu'on a débloqué des nouvelles capacités? Justement, go regarder à la grotte quand on est safe. Parce que, comme t'as dit, le cri qu'il y a eu, ça devait être un carnivore vu le... Non, enfin je sais pas, ça... Je sais pas, tu disais que c'était un genre de... Parce que carnivore, ça fait plus graou, tu vois, c'est plus flippant. Bah justement, tu m'as dit que c'était un genre de raw machin, je me suis dit ça doit être ouais, un graou. Ouais, c'était un raw, par contre. Pour nous, on fait le bruit, j'ai l'impression que le mec rotait. Ça ressemble un peu à ça, quand même. Hein. Esta, tu m'as pas fait une blague, quand même. Oh, mais c'était tu fais toi, Esta?
C'était toi. Oh, il m'énerve celui-là. Tiens, bah toi, et franchement, si tu tombes d'une falaise, prends pas sur moi pour te rattraper. Hein. Mais tu sais que moi, je l'ai pas entendu parce que j'étais en haut et vous étiez en bas. Mais tu sais que tout à l'heure, il m'a fait la même vanne. Et j'étais en mode, c'était toi. Il me dit, non. Je dis, allez, je te crois pas. Il me dit, non, je t'assure. Et genre, j'ai fait le cri moi-même et j'étais en mode, eh, c'est marrant parce qu'il se ressemble quand même vachement les deux cris. Et genre, il s'est mis à rire aussi. Mais, ah non, mais moi, j'ai vraiment cru. C'est marrant, c'est qu'avec Kilira, ça marche beaucoup plus facilement qu'avec toi. Bah, tu m'étonnes. Bah après, moi, je reconnais pas forcément les cris, mais j'ai quand même une notion un petit peu, tu vois, je suis en mode, si c'est un cri comme ça, je suis en mode, déjà, c'est clair que c'est pas un carnivore. C'était pas un carnivore dans ma tête. Ouais, mais au début, quand tu m'as dit le son, j'étais en mode, tiens, peut-être c'en est un. Mais je l'ai cru, vu qu'il m'a dit, non, c'est pas moi. Ouais, puis il y a aussi que c'est blague aussi, alors bon. je suis le pire teammate au monde, faut le savoir. Allez. Alors. Ah, ça fait bizarre d'avoir une grotte qui n'est plus améliorée, là. Coup de vide. Ouais. Ça manque, hein, de végétation. Tellement. Alors, personnage. Je sais plus comment on fait. Ah oui, voilà. Capacité. Alors, déjà, on va mettre le petit coup de queue. Apparemment, c'est des dégâts légers, c'est pas fou. L'autre, c'est un coup rapide de tête qui peut être utilisé pendant que vous courez. Ok. Métabolisme. Il n'y en a pas d'autres. Capable de manger des baies et des fruits. Très bien. Pattes avant. Et pattes avant. On n'a pas 10 000 compétences avec lui, par contre. Mais bon, l'évolution est sympa quand même. Et c'est le seul dino qu'il y a comme ça, je crois, dans le jeu. C'est un peu en mode long coup. Ah, donc c'est pattes avant, un lourd piétinement, je crois. Hein. Avec les pattes avant, c'est bon. Il faut être immobile pour l'utiliser. Ouais, ça, à mon avis, il doit faire des très gros dégâts, par contre. Mais il faut arriver à le caler. Ça peut être facile, quoi. Oh, c'est fat, hein, la petite patte avant, quand même. C'est cool. Mettre ça là. Et les écailles, on n'a pas encore. Ça se met pas. On confirme. Et on ressort. Ouais, on peut faire les quêtes ici, de toute façon. Y a quelqu'un juste à droite. Allez, ta vanne, on la connaît. Deux minutes, hein, c'est non, bon. Non, je ne déconne pas. Ouais. Oui, et puis il va dire que c'est un carnivore bientôt. Bah voilà. Hein. Ah oui. Bon bah. Oh, c'était quoi ce coup de tête, toi? Il est passé sous la terre. Ah non, en fait, c'est juste un coup de tête un petit peu en mode serpent, là, c'est trop chelou. Moi, donc je suis ami avec tout le monde, hein. Je mets un petit cœur. Et... boum. Ah, je m'attendais à ce que ce soit plus badass, mais après, je pense que quand on sera adulte, ce sera un peu plus badass. Laisse-le faire sa vie, hein. Pour le moment... Oui, non, de toute façon... Comment tu le regardes trop mal. De toute façon, le mec, s'il veut pas se battre, t'inquiète pas qu'il court plus vite que nous, je pense. Oui, c'est sûr. Bah, de toute manière, on n'est pas là. Voilà, y a pas de règles, mais c'est pas pour autant qu'on va. On va tabasser un mec qui nous veut rien du tout, tu vois. Par contre, s'il nous engage. Il y a marqué. Il y a des herbivores. Ah non, mais ça en met peut-être sur la map parce qu'il y a des herbivores. S'il nous engage, crois-moi que je suis à l'infini pour le finir, par contre. Venez, on va se louper. Attention, reste pas à côté, je vais refaire ma compétence. Vas-y. Je vais les revoir de ce côté-là. Je profite un peu des animations. Ah, moi aussi, je te montre. Ah oui, non, ça paraît beaucoup plus propre comme ça que quand je le regardais derrière, en fait. Non, ça va. C'est ok. Là, il y a des algues à récupérer. Il y en a de mon côté, si jamais. Ouais, on va faire ça. Bah, il y en a même un peu plus loin. Je vais aller prendre les autres. Ouais, elles sont plus simples à récupérer. On aura pied, ce sera plus facile. En vrai, j'aurais... Ouais, non, j'ai dit que les skins que j'avais, j'aimais bien. Parce que tant qu'on était là-bas, j'aurais même pu changer. Et j'y ai pensé aussi, tu vois, je me suis dit, oh non, laisse. Petit pas de côté. C'est vrai que c'est marrant quand t'appuies sur X. Tu fais t'as les petits pas de côté. On recule. Je sais pas si tu savais ça, Esta, mais tu sais, si t'appuies pas sur X, si t'appuies pour reculer, tu sais, il fait le tour et tout, et puis il est tout pâteau. T'as des déplacements latéraux quand même avec X. Comme ça tu peux reculer en mode si t'as quelqu'un en face de toi en mode RP là. En mode tu hurles, tu recules là, regarde. Genre en mode tu t'approches pas. Ouais, j'avoue que c'est pas mal, hein. C'est stylé, hein. Ouais, j'avoue que c'est stylé. Oh, déjà, nice. Ok, c'est cool. Donc là il faut qu'on récupère des fleurs sans fleurs. Et j'en ai 25. Oh, je sors de la zone samedi. Mince. Oh, c'est bon. On va retourner. En vrai, les fleurs il y en avait plein là, en hauteur, tu sais, au-dessus de la grotte si jamais. Bah on passe par là et on monte. Ah non, c'est pas le même, c'est... Hein? Mais non. C'est un trissé. Ouais. Coucou toi. Bonsoir, enfin bonjour.
En vrai, lui, à jouer, il est agréable. Puis tu te souviens quand on avait joué... Ah, je crois que t'allais dire à jouer en mode à le défoncer. Non, non, non. Mais tu te souviens, notre première vidéo, on avait joué, je crois, un truc comme ça. Et genre, tu sais, on avait la maman tricier qui était immense comparée à nous. Genre, l'évolution entre bébé et adulte, elle est incroyable sur... Enfin, je crois qu'on n'avait pas la même espèce, mais il n'empêche qu'il était très, très grand au final. Il marche, mais il part, tu sais, en marchant en mode, bon, je les ai pas vus. Je vais mettre un petit son d'ami. Ouais, mets un son d'ami. Moi aussi. Alors, je suis pas sûr que les gens comprennent que c'est un son d'ami ou pas, mais bon. Ouais, c'est ça. Vas-y, on va pas le suivre parce qu'il va penser qu'on lui veut du mal. C'est ça. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon, il s'est retourné. Oh, c'est cool, non, ça va. C'est sympa hein, de croiser comme ça des gens et tout, c'est trop bien. Pas de ouf, ouais. On a dit on arrête de suivre. Estas, c'est vraiment le mec dans You. Hein. Il est en train de suivre. Hein. Il va la suivre jusque dans la cambrousse. Hein. Alors, les petites fleurs, je remonte du coup. On y suit bien. C'est celui de tout à l'heure. Ouais, c'est celui de tout à l'heure. Lui, il nous suit par contre. Hein. Il nous suit. Hein. Oh, fais lui, pas trop le show, toi. Hein. Fais pas trop le show, mon gars. Ouais, fais pas trop le show, je te le dis tout de suite. Ouais, alors restez quand même assez groupés parce qu'à tout moment, c'est laisser de choper celui qui est un peu tout seul pour se nourrir. Estas, viens. Il nous suit de loin en fait, je pense, pour voir justement s'il a une ouverture à un moment donné, il va le tenter. Vas-y, cache-toi derrière ton arme, t'as raison. Bah, il suit de ouf. Il vient en courant là. Il a faim. Attention, je me suis un peu éloigné en plus. Viens, Esta. Après, vous le voyez de toute façon. De toute façon, on est les deux ensemble déjà, mais on sera plus fort à trois. On ira collecter des papiers. Techniquement, il va pas one-shot, on aura le temps de le voir venir, mais bon. On sait jamais. Oui, mais bon. C'est vite arrivé hein, dans un jeu comme ça. Un accident, ça arrive vite. Hein. De toute façon, moi déjà, j'écoute pas de coup de queue. On a les trois ça, donc déjà... écoute tête. Après, ouais, s'il arrive derrière, tu mets un petit coup de queue. Mais sinon, je pense qu'il faut favoriser le coup de tête à spammer. Parce qu'en plus, tu peux le faire en courant et tout. Alors que le coup de queue faut s'arrêter, c'est vraiment s'il arrive derrière, c'est apparemment une attaque légère donc c'est pas fou. Je pense qu'il faut vraiment favoriser ton auto-attaque et... Par contre si tu vois... En fait, je pense qu'il faut favoriser l'auto-attaque, il faut arriver à lui ruiner sa stam. Le moment où tu vois que tu sais il peut plus courir, tu lui mets un écrasement. Et je pense que là le mec il est vraiment pas bien. Mmh. Et surtout que par contre l'auto-attaque je pense qu'on doit mettre tu sais les... Okay. On doit mettre les dégâts de saignement. Ah, c'est possible, oui. Donc, le mec, je pense qu'après, sur la durée, c'est plus. C'est toi, fait... Plus le combat dure en fait, et moins il a la possibilité. Il caché dans les. Si, j'ai vu. Et moins il a la possibilité de s'éloigner pour s'allonger, et en fait, plus il va juste mourir par la durée aussi, tu vois. Okay. On va voir combien de temps il dure le saignement, mais. On peut l'avoir à l'usure aussi, en fait, le dino. T'as des combats, c'est à l'usure que ça se fait. T'as des combats de 25 minutes. Juste à l'usure. Ouais, je pense que le coup de tête, ouais, ça l'ouvre. Enfin, ouais. Débranche. Ouais, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est ouais, pour moi, le coup de queue, c'est vraiment pas incroyable à faire, je pense. Il me reste encore deux fleurs à récupérer. Trois pour moi. Je pense que c'est des branches, ça. Mais là, il y a des branches. Or, sinon, attends, c'est pas des branches, ça. Ah ouais? Ah non, c'en est pas. J'y ai cru. Ouais, c'est des trucs comme ça, tu dis, c'en est peut-être, et en fait, non. Ouais. J'en ai eu beaucoup au-dessus de la rivière là, mais j'en ai encore pas mal à faire. J'en ai 7 à faire. Bon, un spot quoi, ça devrait suffire, un gros spot. Il y a une petite grotte là. Ouais, t'as vu là-bas? Il y a un spino. Attends, sur toi Non, il m'a pas vu, je suis couché dans une fougère. Ah oui, donc il est vraiment pas loin de toi. Attends, Kira, viens un peu vers moi. Viens un peu vers moi parce que je prends de la nourriture là-bas et Attends, est-ce qu'il reste de la nourriture ici? C'était où? Ouais, là. Je me nourris un peu et on retourne vers Esta. Esta en vrai reste planqué pour l'instant je pense. Ouais bah il a tourné autour du lac là, il est éloigné. C'est juste que ouais il a dû Il est passé à côté de moi genre littéralement à 2 mètres de moi, il m'a pas vu. C'est pour ça qu'il a dû se déplacer, on sait jamais s'il vient vers nous, vaut mieux qu'on soit groupé parce qu'un spino... Non il vient pas vers vous, il reste vers le lac. Il est vers le lac. Bah, après il a des poissons lui à manger dans le lac non? Il faut que je mange un coup. Je sais pas, ouais peut-être. Ah ouais, mais t'es loin, t'es... Ouais, la nourriture, elle est là. Je pensais pas qu'elle était si loin, la nourriture, ouais. Bah alors, il y en a peut-être plus proche, mais en tout cas, je connais ce spot, donc là, je profite. Ouais, bah attends, j'arrive, je vais manger un coup.
Et après, je vous dis comme ça, bah, dès que tout le monde est full en tout, en plus on va passer sub adulte. Dès qu'on est sub adulte, on essaie de débloquer une autre compétence. Et ensuite, on va juste essayer de se balader, de croiser des joueurs, d'avoir des interactions et tout quoi. On va essayer de profiter. Attends, je mange un. En vrai, on pourra profiter après puisque ce sera road to adulte quoi, donc c'est cool. Ah mais ouais, on est déjà balèze en ado en fait. Bah parce que là c'est fin ado donc on grandit quand même progressivement. Tu sais, il faudrait voir la différence avec un qui vient de spawn là pareil que nous, je pense que tu le ressentirais quand même. Ok, je retourne vers Esta. Je vais venir vers la nourriture. Ok. J'ai pas encore mangé. Je fais un peu la liaison entre vous, je vais te suivre vers Killira de toute façon, mais c'est au cas où. Vers qui ira la nourriture. Ouais. Ouais. C'est exactement là où. Il y a grand chose à graille hein, là-dessus. Il y a un chemin pour monter où je suis. Toi aussi, ok. Il reste 5%, faut lui trouver un autre spot. Ah. Je cherche un autre spot en attendant. Ok. Ah ouais. Bah déjà, les 5% sera toujours ça. J'ai l'impression qu'il était énorme ce spot. Bah ouais, mais en fait, je pense. Lui dit que j'avais méga faim. On avait très faim aussi. Ouais, c'était ça. Ah, mais il est dans l'eau. Non, mais il est dans l'eau. Il y a un sarco, il y a un sarco dans l'eau. Ouais. Ah oui. Attention parce que lui, ouais, il est passé en chemin. Éloignez-vous quand même du bord. Ouais, éloignez-vous du parce bord. Parce que lui, il fait des beaux jumps. Croyez pas, il fait très mal si vous touche après ce jump, je crois. Après, je crois, il est en juvénile. Oui, oui, il y a moyen, mais bon. Il nous pète un truc. Il a pas encore sa fonte. Ah, genre c'est un truc que tu débloques aussi, ok. Oui. C'est vrai qu'on le teste nous aussi le Sarco à un moment. Ça doit être sympa à jouer ce côté, bah justement t'es aussi dans le lac et tout, ça change un peu de gameplay. Sarco, Spino, un truc comme ça quoi. Ouais. Sarco, ça pourrait être sympa. Ça a l'air d'être tellement violent en plus. Ouais, après de ce qu'on m'a dit, en gros le Sarco il court même vite sur terre et tout, mais sauf que. Il a plus de stam énormément. C'est ça, il a pas beaucoup de stam, ouais. Ah d'accord. On m'avait dit ça. Ouais. Je vous dis, on attend juste le sub adulte. Vers la flotte, hein, fais attention. Dès qu'on est sub adulte, on va se balader, essayer de croiser des gens, en fait, voir s'il y a des petits groupes et tout. Je regarde s'il veut pas s'approcher, je lui mets un coup de queue. Ah. Ouais, y en a j'en ai un sur moi. Derrière toi, ça, y en a un autre. Ah, ouais, y en a deux. C'est un petit groupe en fait. Il y en a un là-bas en face, il y en a un à droite. C'est un petit groupe, hein. Après, ils ont pas l'air d'être méchants actuellement, ils sont tout petits. Il t'a attaqué, non? Non, 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 il m'a fait peur parce qu'il est passé en dessous et tu sais, comme il y a des petites TP en plus, ben. J'ai eu peur. Non, non, il a pas à taper. Mais par contre, je l'avais vraiment pas vu le deuxième. Oui, il m'a fait flipper, ouais, moi je les vois pas sous l'eau. Hein. C'est fou, hein. What? C'est lui qui fait ce bruit-là? Ouais, ouais, ouais. Il a un bruit de récepteur Wi-Fi, là. C'est marrant, son truc. Ouais. Bah écoute, moi j'essaye d'évoluer un petit peu. J'en ai marre d'être comme tout le monde. Lyra incomprise. Comme la couleur là, regarde. Il pense que c'est de la saleté alors que c'est juste pour mieux le fondre dans le décor. C'est rigolo. Ils sont mignons les deux là dans l'eau. C'est trop mimi. Oh, t'as vu, il avait un petit truc dans la gueule. Ah ouais. Essaye de t'approcher un peu trop près de moi. Et Stay s'est mis en position derrière. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, j'ai le coup de queue qui est prêt à partir. Non, mais ils vont rien faire. Bon, de toute façon, même le coup de queue, on va pas se mentir. Même s'ils vont en donner un, c'est pour juste pour tester s'ils s'approchent. C'est pas ça qui va le tuer, t'inquiète pas. Hein. Il a large le temps de se barrer dans l'eau. Et là, il aura pas de problème. Il prend un one shot, le pauvre. T'inquiète pas. Ah, c'est vraiment rigolo le son. On dirait des dauphins presque. Oui, c'est ça. Il a commencé à avancer, il s'est arrêté tout de suite. Ouais, parce qu'il doit se dire. Bah, je pense qu'ils sont en mode bon, c'est un peu de la nourriture, mais peut-être pas maintenant, on va y aller tranquille. Il y a deux Rex. Ah oui. Où ça, où ça? Ah oui, il y a des Rex derrière là-bas. Nous. Par contre, Rex plus les Sarco, c'est pas fou. Hein. $10. On va pas faire les pussies aller dans la grotte par contre. Genre, on ouais, va. Non, on va juste bouger RP. Ouais, y'en a qui disent que ça allait le fight, y'en a qui disent que ça lag et tout. De toute façon, si ça lag vraiment encore, je descendrai encore un peu. Mais... De toute façon, là, on voit que ça lagouille encore un petit peu, mais c'est déjà mieux. À voir si c'est vraiment la galère en fight.
Par contre, le problème, c'est quoi? On va être assez adulte. J'ai envie de rentrer dans la grotte juste pour débloquer le la capa et presque les jouer, tu sais. Il y a une carcasse là, avec de la bouffe. Avec de la c'est ça que j'entends. Ouais, les mouches, ouais. Ouais. De toute façon, faut qu'on reste groupé là, en cas où. Et... Ah oui, bah clairement. Faudrait avoir un visu sur eux là. C'est trop stylé quand on est tous les trois par contre allongés. Bon, pas dans les fougères, mais genre, tu sais, à côté de. Ah, c'est pas bête ce que vous faites. Genre, à côté de. Bah, sur la plage, tu sais. Aïe! Pardon. Ça vient de me marcher sur la tête. Ouais, bah, je suis désolé, je t'ai pas vu. Par contre, rester à côté de la carcasse, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et ouais, on est cons parce qu'ils vont se nourrir là. Ici, ils vont venir manger, venez, on bouge. Mais ouais, avec le soleil, tu sais, qui tape sur notre belle peau et tout, là, tous les trois sur la plage, tout à l'heure, c'était trop beau. Non, mais ça faisait un trop bel effet, ouais. Ouais. Ah, j'avoue que ça fait quand même des petites épées quand on court, là. C'est pas non plus injouable comme quand on était vraiment full serveur, enfin, genre à 100, mais... Ah! Cette épée toujours. Si, il y a ce bruit là. Oui, ils sont au niveau de la grotte, juste en dessous de nous. On va être sabattu en plus. Il pleut pas en confiance. Hein. On va être sabadulte, je veux ma grotte. On va débloquer il quoi monte, non ah. Ils partent vers l'eau. Ok. Ah ouais, je l'ai j'en pas. Vois qu'un par contre. Ah non, il y a le deuxième. Attends. Non, j'en vois qu'un. Non, je vois les deux, c'est bon. Le deuxième est à droite. Ah oui, bah j'avais cru y voir à droite, mais je savais pas si j'avais vu. Ouais, c'est bien lui que j'avais vu. Il fait monsieur là. Il est en train de monter. Ok. On va bouger peut-être, non? Et là en plus on est vers la forêt et tout, c'est peut-être pas ouf. J'ai entendu un là en dessous, mais je vois pas. Oh, on a deux doigts de passer sabadulte là. Oh, il est là, je pense. Il est juste là. Moi, je vous suis. Hein. Comme vous voulez après. Après, je me dis un petit fight peut être intéressant, mais je reconnais que deux Rex, c'est peut-être pas le plus judicieux. Moi je pense qu'ils vont nous déboîter mais... Tu descends Insta? Et ça me saoule d'aller dans une grotte à 10 km par contre pour prendre ma compétence. Mais là le problème c'est que dans tous les cas on pourra pas aller dans la grotte devant eux. Même si on arrive à passer, on peut se faire camper à la sortie donc... Il reste genre... voilà, c'est bon. Moi j'ai grandi. 2-3 minutes. Ouais, moi pareil je dirais. Ah merde, croissance inhibée. Ouais. Ah oui, pareil. Ouais, personnage, capacité. Oh, croissance insuffisante pour les écailles. Oh non. Parce que les écailles, c'est de la défense, je pense. Ah. Oh, bah, il nous faut être adulte pour avoir le dernier truc. Du coup, on attends, est seul déjà. Encore... Pas moi. Il y a une bestiole encore à droite. Ah, lui, on l'avait croisé, lui. Non, tout à l'heure. Oui. Je sais pas si c'est le même après, mais. Ouais, il ressemble à celui qui avait faim tout à l'heure. Ouais. Lui peut attends, faire parce qu'avec les Rex et tout, on sait pas trop. J'avoue que à force, s'ils font tous alliance, par contre, même les sarcos et tout, on va se retrouver 3v5, tu sais. Il me colle. Quoi ? Il y a l'autre de tout à l'heure, là. Il s'est caché derrière le rocher. Regarde, il est sur le rocher, là-haut. Ouais, il nous follow parce qu'il était juste derrière moi. Quand je me suis retourné, il s'est barré. Regarde, il est dessus, tu vois, il se cache. Je le vois pas, justement. Je sais pas duquel, ce rocher. Ah oui. Là, là, en face de toi. Il vient de passer à droite. Ah mais lui, lui il nous cherche un peu trop par contre. Lui il nous suit un peu trop hein, à mon goût. Hein. Ouais, mais lui...
être assez seul. Nice. En vrai, lui, si je suis à portée, je le tape par contre. Hein, parce que lui, clairement, il nous suit depuis tout à l'heure, comme s'il allait essayer de nous bouffer dès qu'il pouvait. Ça fait trop longtemps qu'il nous suit. Ça fait trop longtemps, tu sais, qu'on on s'en soucie pas, on se balade tranquille, et il est derrière nous, genre, à se planquer, quoi. Je pense qu'il a compris. C'est peut-être il a compris que nos intentions n'étaient pas... Attention, il est passé au milieu. Il a pris un coup, hein, d'ailleurs. Tu lui as mis un coup, Stan, non? Il saigne. Hein. Je l'ai pas touché. Ah bah, quelqu'un a dû lui mettre un coup parce que je l'ai vu. C'est pas moi, personne n'a d'autre. Mais c'est toi qui as gueulé, Ors, en plus. Je crois que c'est toi. Ouais, j'ai mis un coup, mais je pensais pas l'avoir touché par contre. Voilà, c'est toi. Je crois que c'est moi de pas touché. Je sais pas. Ouais, je pensais pas que c'était moi en tout cas qui l'a touché. Mais en tout cas, oui, il saignait. Ah. Bon, il n'empêche que il faudra que je refasse un restart quand même pour diminuer un petit peu les slots, histoire que ce soit quand même plus fluide. Bon, ça veut pas avoir de serveur du coup. Si, j'ouvrirai sûrement un deuxième de toute manière aussi. Mais déjà, je veux trouver la limite parfaite, tu sais, au niveau des slots. Ouais. Comme ça, après, je peux ouvrir l'autre serveur en sachant que bah c'est bon, ce sera fluide aussi, tu vois. Oh, Yesta, il a faim par contre. Il a tracé. Il est descendu là-bas, il dit rien là. Je le cherche, il est où? Bah, il va pas y avoir que lui, hein. Non, mais il a dû. Ouais, attention ici par contre, parce que. Attention derrière, il est derrière moi, le petit. Bon, il vient de se TP, je sais plus où il est. Il était juste colère, moi. De toute façon, il a dû s'allonger, je pense. Parce il est là, il est en face, regardez, en face de moi. Il est dans la fougère, ouais. Je suis dans le bush, ouais. Ouais, c'est quand il y a les changements de direction que ça bugouille un petit peu. Ouais. Ah oui, je le vois complètement ce TP. Ouais. Non, mais je vais rediminuer de toute façon. C'est juste qu'il faudrait sortir des actions et tout et que j'ai le temps de faire une annonce. T'sais. Que tout le monde sorte des actions et tout de combat. Vas-y, pour pas... je le pousse loin. Ah, il va revenir vers nous après, je pense, si on rebouge de toute façon, mais bon. Il essaie de me jouer. Parce qu'il se défend. Il a pris un coup de queue tout à l'heure. Pas la queue pour le coup. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, il est là. Ouais. Attention, je vais faire la grosse attaque, moi là. Oh, tu l'as eu. Je pense qu'il a pas kiffé celle-là. Oh, il saigne. Vas-y, en vrai, je veux pas le tuer, je vais laisser fuir s'il veut fuir. Ouais, il va se bouffer toute la. J'ai pas envie de le tuer, le pauvre, non plus. Ouais. Vas-y, laisse-le. Non, le follow pas, Esta. Laisse-le. Juste, on va en profiter, parce qu'en plus, il y a les lags et tout, donc viens, on va juste bouger. Mais il est off, il a plus du tout de stam sous l'eau. Ah, le oui, mec, non, mais je pense que... Il l'a non, mais il est pas bien. Oui, en vrai, il est pas bien, je pense. Là, s'il s'allonge pas dessus, je pense que... Ah, il s'est ouais, allongé, tu vois. Voilà. Non, mais venez, justement, on en profite, comme ça, on s'en va un peu plus loin. Il a compris qu'on rigolait pas. Et comme ça on peut... Je vais pouvoir mettre l'annonce et... Toi qui fais ça? Ouais, c'est lui. C'est vrai que... Notre voix elle est devenue un peu plus grosse, hein, un peu plus grave. Hein. Par contre, au moins j'aurais réussi à caler mon attaque là. Ça a été propre. Bah, je pense que la zone est assez grosse en plus de cette attaque là, donc vu qu'il revenait de l'eau, tu sais, c'est... Je sais pas pourquoi il était dans l'eau, il aurait pas dû en fait. Il a paniqué, je pense. Il s'est dit, il faut que je me barre. Et... Ce qui est pas mais plus vas-y, mal en je pense, soi, au moins. Je pense là, on rediminue de 5 déjà et on sera à la limite où ça devient jouable, correct. À la grotte ou... Non, je pense pas. C'est avec les Rex et de toute façon là-bas, c'est un peu loin. On va se mettre dans le coin. Il va m'attaquer. En ça vrai. On saigne des deux côtés, c'est normal. Oui, je saigne aussi, mais... Donc ça veut dire que quand tu m'attaques, tu prends aussi mes piques. D'ailleurs, ouais, tu saignes plus longtemps que moi, c'est marrant ça. C'est lui qui m'attaque, c'est lui qui saigne de ouf. J'ai pas pris tant de dégâts que ça, honnêtement. Mais après, c'est un clic gauche, normalement c'est du spam. Hein. Attends, tu veux que je te fasse la compétence? Attends, bouge pas. Tu me fais rien du tout. Tu l'as pas pris du tout, en fait. Non. Mais peut-être que vu. Attends, vu qu'on est groupé. Bah non, parce qu'on se fait quand même le clic gauche. Ah ouais. Ouais, je sais pas.
Moi je saigne, mais... Cette compétence, ça marche pas sur les alliés, quoi. Bon, on sait que... on sait que celle-là, on peut la caler, quoi. On peut la spammer quand on est en groupe, quoi. Ouais, après, bon, faut arriver à la caler. Hein. Ouais, mais tu vois, on est tous collés, il y en a un qui s'approche un peu trop près, il se prend un triple piétinement. On va savoir bien nos couleurs, là, par contre. Ouais. Après, maintenant, le dino est sympa. Je pense qu'il est fort, parce que je pense qu'il est vraiment tanky. Niveau dégâts, je pense pas qu'il soit dégueu. Parce que sur quelqu'un justement qui est moins tanky, en plus il du spam un peu et tout, c'est pas mal. Mais c'est vrai que y a pas énormément de compétences à débloquer sur lui, c'est dommage. On fait vite le tour en fait à ce niveau-là. On va avoir adulte, mais bon, ce sera juste l'écaille, donc ce sera plus la résistance, quoi. Alors, il y a les sarcos qui sont revenus. Ils sont au bord de l'eau. Là on est combien, la sociale, okay, là on est 54 en ligne. On va y voir, juste courir du coup, parce que là on est quasi full. Je prends un coup. Courir et genre tourner un peu en surplace, comme ça on va voir si vraiment ça... Ah bah il y a même de quoi manger ici hein, si jamais. Comme ça on va voir si vraiment les lags c'est à peu près ok ou pas. Il va sûrement rester encore un peu. Mais là les je lags, vous vois mais... pas vous TP même quand vous vous êtes tapé tout à l'heure. En là, vrai si Esta il lagouille un peu, mais franchement c'est pas du lag en mode... c'est injouable ou en mode c'est trop compliqué quoi, ça reste gérable quoi. Ouais. Et oui, il y a toujours un peu de lag. Après, je pense qu'on n'arrivera pas à la perfection de toute façon. Après, je pense vraiment que déjà les serveurs avec le côté cross-platform et tout, je pense que ça... Et la grosse mise à jour, on voit qu'ils ont des problèmes d'opti et tout, donc... Oh, il me fait de la peine, Spectre. Ouais, quelqu'un pour m'aider. Ouais, au-dessus, il a dit je suis passif et vous m'attaquez. J'avoue que dans ce genre de jeu, si tu veux pas fight, il faut pas te montrer. Hein. Mm-hmm. Il faut fuir quand tu vois des gens au cas où. Je vais aller voir. Il se balade avec un poisson lui. Il a un poisson. Ouais, ouais, il a un poisson, c'est trop mignon. Hop là, passe sous l'eau. Là, niveau des bords au cas où. En face de moi, il y a un petit stego. Enfin, c'est pas un stego, mais c'est les stego-like. C'est un Kentro. Celui qui demande de ouais, un Kentro, ouais. C'est un Kentro. Coucou. Oh, ça se trouve, c'est celui qui demande de l'aide. Attends, tu sais quoi, je vais l'inviter dans le groupe. Ouais. Je vais l'inviter dans le groupe, lui. Oh, il va voir Docteur Horse, il va faire oh. Quoi ça? Bon, en vrai, c'est un petit herbivore qui nous rejoint. En vrai, si j'ai ouvert un serveur avec la commu. C'est pas lui. Je sais pas. Si c'est lui qui a accepté. Si j'ai ouvert un serveur avec la commu, c'est aussi pour profiter avec eux. Ah oh. C'était trop mignon. Mais ouais. Allez, viens dans notre groupe. Ouais, il y a deux sarcos qui... Je suis dans les deux groupe, hein. Sarcos sont en train de se balader. Ça qui va être cool. On va échanger un petit peu après. C'est ça. Oh, comment vas-y, ça maintenant j'ai envie, j'ai envie de le voir grandir, notre bébé. Notre enfant. Notre bébé. Déjà, il va grandir là. C'est fou comment il est rikiki. Bah en fait tu te rends pas compte mais on est quasi adulte donc on est grand. À gauche il y a un cri hein. À gauche il y a l'autre là qui nous a bah attaqué tout à l'heure, c'est lui. Ah je sais oui, pas c'est pas même. Vu comment il est posé cette fois. Non. Ah, cette fois par contre il nous suit non parce que là c'est lui qui cherche quand même. Attaque le petit. Oui c'est ça, moi j'ai peur pour le petit. Moi je reste vers le petit hein. Là vous êtes en sprint. Non. Il arrive chez toi. Attention hein. Attention à ça. Ah il t'a attaqué. Voilà. Bon là il y a plus le choix là. C'est bon. Oui bah voilà. Bon là il cherche. Ouais, hein, bon. J'étais gentil tout à l'heure mais là. Fois, c'est marrant deux fois mais là. Ouais, là il pisse le sang comme pas permis. Hein. Tu m'étonnes. Ah, il s'est taillé le petit. Attends, il est là. Le petit il est à fond, il trace. J'ai pas lui marcher dessus. En vrai oui c'est. D'ailleurs oui, il est pas full life, il faudra faire gaffe. Mais go, on joue RP, c'est full protection du petit maintenant. Il est parti où? Je sais pas, mais je pense que... Bon après je connais pas bien les dinos et tout ça, mais je pense qu'il doit pas avoir le beaucoup petit, de stam. Le petit s'est caché. Il court plus vite que nous, mais je pense pas qu'il ait beaucoup de stam. Par contre attention au petit, parce que ouais le petit lui à mon moi, avis je reste avec il est lui, plus lent. Le pauvre. Ah il est en train de manger. En vrai c'est bien, s'il est capable de s'enfuir comme ça et tout, bah au moins hein, le moment où on arrivera à le choper, il y aura pas de scrupules. Par contre il y a ses traces de pas, hein. Regarde le sang, on aurait pu le suivre à la trace, regarde. Ouais, bah vas-y, go. Regarde. Là, continue ici. Ah, en face, je le vois, voilà. Il fuit. Vas-y, on reprend le lac ou quoi? Ouais, on va retourner. Ça sera plus simple pour le petit, on prend une cadence plus simple. Tu sais qu'il m'a même parti à la dixième de vie.
Attends, venez. Allongez-vous autour du petit en triangle. Comme ça, il va comprendre, il va s'allonger. Au pire, on lui marquera. Pour qu'il reprenne sa vie. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est trop stylé. Tellement beau, calé les. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'adore. On est devenus des parents, les gars, ça y est. C'est ça la vie de parents. C'est beau. C'est trop beau. Tu as chialé. C'est trop beau. Je vais donner un coup sans faire exprès. On va se prendre un one shot. Oh, pardon. J'ai des traces de sang sur la tête. Oui, alors ce qu'on avait vu avec Kylira l'autre jour, c'est que. Il revient. On garde les cicatrices, c'est ça. J'aime trop par contre comment il joue. Parce que tu sais, il joue vraiment en mode je suis et tout jusqu'au moment où je vais pouvoir choper et tout. Oh, attends, le petit, j'aime trop. Fais pas le fou toi. Vas-y, on va reprendre la marche vers le lac. On va essayer d'aller vers le sud, voir justement si on croise d'autres groupes de dinos et tout. Alors, sur la plage du lac, il y a un endroit où on peut le coincer facilement. Faut qu'il vienne. Mais il va nous suivre. Vient... Il va nous suivre, il est revenu déjà, il a faim, ça se voit, il a envie de jouer là. Tu vois au sud, il y a un espèce de bras. Allez, je sais pas si t'as exploré tout le tour du lac. Si, ouais, j'ai fait tout le tour. T'as un espèce de bras qui va vers l'intérieur du lac, et si on est sur la plage, c'est qu'une falaise sur le côté. Donc si on le coince entre toi et moi, c'est terminé, il peut pas s'enfuir. Mais oui, après il passera à travers, on va lui mettre un coup. Il va prendre cher. Oui, il va quand même prendre cher, ouais. Et là, je lui ai mis deux coups de tête. Et moi, ma vie, elle a pas bougé. J'ai pas envie de courir, j'ai juste envie de marcher, c'est trop RP là. Attends, je l'ai pas vu passer. C'est peut-être la feuille que j'ai vue qui m'a fait croire. C'est bien, maman, elle reste à côté du petit là. Il est là sur la colline. Et ouais, tu vois. Je suis retourné pour le regarder, il s'est caché derrière. Je te dis, il a faim. Mais c'est bien, c'est cool. Oui. Oh, il y aurait un cri en mode rire, je le ferai là. Par contre, faites attention parce que on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri qu'il y a un gros sarco quelque part. Hein. Ouais. J'avoue que oui. Là, à tout moment, il peut y avoir un sarco adulte qui sort. Et c'est le problème, c'est qu'on fait que regarder sur la colline parce qu'il y a l'autre, mais à tout moment, dans l'eau, il y a autre chose. Tu sais pas de quelle façon t'es placé par rapport au petit. Tu me diras, côté de l'eau. Ah, il suit, il descend la colline. Ah, c'est stylé, il. Ah, j'ouvre la marche, hein, qui reste derrière là pour cover le petit. Parce que c'est lui qui ouais, va essayer de croquer. Le petit, c'est Mimidel. Lui, c'est, mais... c'est son casse-croûte, hein, le petit, donc. Ouais. Ah, c'est trop stylé, il est en train de marcher, mais tu sais, en mode accroupi. Ah, c'est stylé par contre. Ça te fait tellement pas pour un herbivore par contre. Regarde, attends. Vous pouvez pas sauter? Ah, on peut plus sauter quand on est grand. Non. Ah, ça y est. Ah, ça aurait été trop drôle qu'on fasse un jump en étant aussi gros, là, ça aurait été n'importe quoi. Et là, tu vois, va pas trop loin, va pas trop loin, Martin. Et là, d'un coup, un sarco qui passe et hop là, Cosmi, c'est parti. Là, on passe sur le côté, il va plus avoir de visu sur nous. Ouais. J'ai presque envie de l'attendre dans le coin. Dans le coin ou là, à l'intérieur, à gauche? Là, juste à gauche. Là. Vas-y, on peut voir. Attends, faut que le petit suive. Le petit, c'est là-bas. Il va se faire choper en passant. Non, c'est bon, il vient. Oui, il y a un sarco dans la flotte là-bas. Oui, il y a un sarco, un gros. À droite. Ouais, un. Il vient de passer derrière le rocher. Ah, bah attends, il vient là. Viens, petit. Viens. Ouais, attention aussi par contre, parce que vraiment là. Attends, je vais me mettre côté haut. Vas-y. Bon, il gambade, dis donc. Oh. On est plus aussi jeune que toi, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il gambade? On en est où là? Mais c'est un fifou, hein, dès qu'il va tomber sur un... On va le voir courir de l'autre côté, vers nous. Un peu plus bas, il y a moyen qu'on croise des gens, là, encore, ouais. Bah, vers la crique au cadavre, là où il y a les os et tout. C'est ça. Bruit qu'on fait, par contre. Ouais, on a le palou, hein.
Après, le problème, c'est que il va peut-être falloir trouver de quoi nourrir le petit aussi au bout d'un moment. Tout à l'heure, il a mangé. Mais ouais, il va falloir qu'on retrouve des trucs. Ouais. Parce que maintenant, il y a 4 bouches à nourrir. Hein. Oui, j'avoue que je dis le petit, mais c'est tellement pas lui qui va le plus manger, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment nous qui mangeons le plus. Oh, j'ai cru entendre un. C'est peut-être une respiration, un truc. Ouais, une respiration, est... ouais. Moi aussi. Il est au-dessus de nous. C'est au-dessus de nous, on est d'accord. Par contre, là, ça va, franchement, c'est ça, il y a des légères TP, mais franchement, c'est quand même assez fluide, je trouve. Je pense que c'est pas mal, là. Il nous traque depuis tout à l'heure. Il est où ? Il est au-dessus. Et vous êtes en train de... Ah, c'est... Je le vois, il est derrière l'arbre, là-bas. Faites attention au petit, hein. Moi, j'essaie. Ça veut dire que même quand on s'est arrêté, il avait capté qu'on était là, au-dessus, ouais. On fait quoi? On longe la plage? Enfin, la plage. Oui, de toute manière. Par contre, il va avoir faim à force, hein. Parce qu'il a rien d'autre à se mettre sous la dent, le mec. Bah, il attaque des... Il ouvre des terriers sur la route, quoi. Ouais, s'il en a, ouais. Aïe. Marchez pas sur le petit, hein. Le petit bruit, on... ah, j'ai eu mal. Vu d'ici, j'avoue que tu fais presque impressionnante. C'est vrai? Bah franchement, ouais, ça fait une belle taille, là. Ouais. Vu d'en haut, ouais. Même toi, tu fais grand et tout. Même toi. Ça veut dire quoi, ça? Même toi, c'est impressionnant aussi. Il est trop beau, mon skin, par contre, j'aime trop. Vous avez de quoi manger, là-haut? Non, mais je pense qu'il y a un peu de végétation là dans les terres, on va essayer de voir si on trouve pas. Regarde, genre si tu regardes ta map, même tu vois qu'il y a un petit peu de vert et tout, c'est généralement là-dedans ouais. Où tu trouves des spots. Ouais. Tu as marché sur le petit? Bah bravo. Je suis pas sûr, hein, mais. Venez manger! J'arrive! Bah le petit il trace, hein, il fait ça. Oh là là. Laissez-moi-en un peu! J'avoue que par je contre, pense qu'il y en aura plus. C'est sûr, il y en aura plus. Non, mais c'est pas grave! Il y aura un autre bush. Attends, je monte un peu et je vais voir pour arrêter. On peut pas voir le pourcentage en cours. Attends, mais je vais te dire. T'inquiète. Attends, je vais arrêter. Non, non, 65%, on va voir. 65. Ouais, mais c'est pour que tout le monde puisse monter un peu. Il y a du sarco qui se tabasse. Non, non. Mais c'est vrai. Je crois que c'est ici que ça se passe très mal d'ailleurs. Il y a un sarco qui se fout sur la gueule avec. Par contre, laisse-moi rire, Esta. Attends, qui ira, arrête-toi, regarde Esta. Il a l'impression qu'il est caché alors qu'il dépasse totalement ah le rocher. Ah mais de ouf. Regarde, ça fait trop le dino qui se croit planqué. Ça fait trop le dino qui en mode « je suis caché ». Alors là, je vois depuis. Je suis pas là. Mais il y a 3 rex plus loin. Ah. On fait quoi? On va les affronter? Alors sincèrement, là ça fait un petit moment, on est quasi adulte. Je pense que c'est un peu une fin d'aventure pour nous. Un petit fight sympa, c'est toujours sympa en vidéo, quitte à ce que ce soit une mort, au moins ça clôture... Oh l'autre, il a foncé droit dedans. Ça clôture des persos, une mort aussi, hein, sur ce genre de jeu, c'est... C'est vrai. C'est une page qui se tournerait pour des prochains dinos, donc... Mais attends, regarde le... Regarde le petit, il fonce trop, qu'est-ce qu'il fait? Oui, par contre, le petit, il est trop chaud. Après, j'avoue que si on peut ne pas mourir, c'est mieux, mais franchement, si on meurt, c'est pas grave. Voilà, à l'heure actuelle, on est adulte quasi, donc... On a vu à peu près ce qu'il y avait à voir sur le dino, de toute façon. Oh mince, c'est ça que je voulais faire. Attends, mais j'ai appuyé sur quoi pour faire ça? Et le petit, il les provoque. Le sarco, ça se trouve, ils vont nous aider, les sarcos. Hein. Peut-être pas. Hein. Non, regarde comment il est vers nous, lui, à droite, je suis pas sûr. Après, on les a pas agressés tout à l'heure. Ah, mais c'est pas les mêmes, en vrai, je pense. Attends, eux, je lui fais un attention, cœur, attention, le petit. Regarde, ils emmerdent. Attention, c'est peut-être un bait. Le petit, par contre, je resterai pas devant, hein, à ta place, mon pote. Touche pas au sarco. Non, mais le petit, par contre, côté flotte. Essaye de mettre sur le côté, parce que le. Par contre, le sarco, c'est un génie. Ah, lui, il essaie trop de. Le sarco, regarde comme le crack. Mais regarde le petit, c'est un fou!
Ça se trouve, le petit il est trop chaud, c'est bon. Il va se faire bouffer. Ok, j'ai jamais dit saignement à l'autre. Non, mais le petit, non, mais. Ah, celui qui saigne là, il. Oh, le petit. Non, j'ai fait toucher le petit avec la TP. Attention, Esta est tout seul contre 3. Esta. Je reviens vers vous. Mais ils m'ont pas fait grand chose. Hein, mais toujours sécuriser celui qui est tout seul. On sait jamais. Ouais, par contre, le petit, ouais. C'est vrai qu'en combat, il y a quand même des petits lags. Mais bon. Après, c'est quand même jouable, non, ça a rien à voir. C'est pas des Rex, mais on les a fait fuir, genre vénère. Ouais, c'est quand même mille fois mieux que sur le serveur au fil et là qu'on avait. Hein. Oh, on peut pas monter ? Si, on peut monter, je suis monté là. Mais le petit, par contre. Le petit, mec, t'as. Attention de pas vous toucher en trop. Il est déjà enseignement, le mec. Par contre, ses potes l'ont totalement abandonné, ça me bute. J'ai envie de le graille, mais. J'ai pris un dégât, mais je sais pas si c'est. En fait, pas trop taper et tout. En fait, moi j'ai une règle qui est assez simple, hein. C'est un peu sur tous les jeux pareil. À partir du moment où tu vois que t'as pris, allez, déjà un tiers life, bah tu recules un peu, tu laisses tes potes devant. Et si vraiment t'es mid life, là tu recules vraiment en mode je vais me heal, quoi, tu vois. Ok. Moi je le vois comme ça. Comme ça, tu sais. N'arrive pas de briser. Comme ça tu sécurises le truc, tu vois, en mode c'est bon, je peux pas mourir sur un malentendu, quoi. J'ai coincé. Ah ouais, il pourrait fuir. Comment il s'est fait lâcher par les potes. Ouais, il a peut-être plus assez de stam. En fait, il veut revenir. Ah ouais, non, il a plus de vie, ça y est. Comment ça, F, Franck, je peux. Venez, on le donne au sarco. Ah ouais, let's go. Venez, on va le donner au sarco. Je suis devenu carnivore, les gars. On le donne au sarco, genre pour l'avoir remercié de nous avoir aidé, tu vois. Ah, là-bas, en face, je crois. Vas-y, vas-y, colle-lui, lâcher au sarco. Ah, c'est trop bonne idée, par contre. Parce que nous, ça nous servira pas. C'est là où on revient et le sarco, tu sais, c'est plus qu'un tapis, genre il est mort. Il est crevé. Il est où? Il est en face, derrière le rocher. Par contre, j'espère qu'il va pas avoir peur, là. Attends, on te pose ici, peut-être pour pas qu'il ait peur. C'était quoi la touche déjà, c'est eux? Ouais. F, non? Ah, F lâché. Ouais, F. Et venez, on bouge. Cœur. Et vas-y, attends, reculez avant. Reculez. En faisant un truc comme ça. Oh, c'est trop bien. Vas-y, regarde, on t'a donné de la barbac, là, c'est pour toi. Attends, bah, juste un tout seul qui lui reprend. Attends, je vais aller. Ouais, vas-y, toi, t'avances. Je vais juste reprendre le truc. Attends, mais il ouvre la gueule. Non, mais c'est normal, il est endormi, ouais. Il fait de l'apnée du sommeil, le mec. Mets-lui dans la gueule, hein, vu comment elle est ouverte. Ça ira plus vite. Elle est incroyable, cette scène. C'est trop drôle. Il t'a dit merci. Oh. Il en peut pas. Mais imagine, ça se trouve, il en mange que du poisson. Il est en mode, mais vous êtes. Imagine, vous ça se trouve. Oui, j'avoue. Je suis vegan. Non, je crois qu'il mange de la carcasse aussi. Je pense qu'il mange de la viande aussi. Hein. Il doit manger les deux. Je sais pas, je l'ai pas assez joué. Je sais pas, il me semble que ça mange les deux, mais je suis pas sûr. Le petit, attends, par contre, fait quoi? Cosmi, fait pas attaquer. Ce serait drôle. Regarde, il est en train de manger. Ouais, il mange. Par contre, il fait quoi? Ah non, il saute à côté de lui. Non, ça serait drôle qu'il chope juste Cosmi en mode non, mais je m'en fous de la barbac, hein, c'est lui que je veux là. Le petit, par contre, il a léchant. Par contre, ah, il court. Non, bah c'est sympa et bon, bah on a encore envie. Hein. Bah ouais. Après, j'avoue, c'est pas. Bah déjà, ils ont pas joué ensemble. Je pense que eux, en fait, faut vraiment qu'ils jouent en faisant attention à leur stam, jouer à 3, il faut harass juste l'un d'entre nous pour qu'ils aient une chance. Mais je pense que c'est quand même compliqué parce que on est quand même badass avec nos dinos, en vrai. Et on fait mal. Mais tu vois, ça me donne d'autant plus envie de jouer un carnivore et de tomber sur un truc comme ça et d'arriver de tenter de le gérer, justement. Ça doit être très sympa à jouer comme gameplay aussi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien jouer les carnivores, donc il n'y a pas beaucoup d'herbivores non plus, quoi. Généralement, il y a moins d'herbi que de carnivores. Et c'est dommage parce que franchement, justement, c'est intéressant. C'est intéressant de jouer contre des herbivores, je trouve.
Attendez, je suis un peu en retard par rapport à vous. J'arrive. Ouais, c'est pour nourrir les trois rex qui arrivent, t'inquiète. Ah non, pas moi. Mais tu vois, de loin, je pensais que c'était plus gros par contre. Je pensais vraiment que c'est genre des rex ou quoi, tu sais, qu'il y a vraiment. Ouais, bon, ouais, non, c'était des. Ouais. Des ceratos. Mais bon. On y a été de base en pensant qu'on avait de fortes chances de mourir donc. Ouais, et je t'avoue que tu vois, je me suis fait choper par un dans le dos. Il m'a rien descendu. Vraiment, on est tanky, ouais. Mais vénère. Mais après, les attaques, il faut les spammer un peu aussi pour faire des dégâts généralement. Mais oui, non, mais je pense que. Après, dis-toi, en termes d'herbivore, je pense qu'on est le plus gros du jeu aussi. Donc je pense que. Le sous-estime. Est plus... De quoi? Le trike est énorme aussi. Ouais, c'est vrai, mais. Ah, tu vois, je pense qu'on fait partie quand même des gros herbivores, on va dire, du jeu, donc je pense qu'on a quand même un peu sous-estimé peut-être le dino aussi. Après, on les connaît pas encore très bien, forcément, donc. Non, mais bon, c'était marrant. Dans la séquence sympa. Avec le Carnot, les... le Sarco, elle est trop bien. C'est marrant, ouais. Ce que je t'ai dit, ça se trouve, ça pourrait être un allié, vu qu'il s'était fait dégager de la plage. C'est tellement ça, maintenant il dort sur la plage en mode. Et voilà. C'est ma plage. C'est tellement ça, par contre, c'est trop drôle. Maintenant je suis tranquille, c'est chez si moi. Si on m'emmerde, je rappelle mes copains. Et nous c'était vraiment en mode, bon bah on veut passer par là, c'est le seul chemin les gars, on compte pas faire demi-tour, donc soit vous dégagez, soit vous dégagez quoi. Soit vous dégagez ou on vous rentre dedans. C'est tellement ça, tu sais. Vous êtes déjà adultes. Ah oui, j'avoue qu'on est adultes. C'est trop beau les couleurs par contre que t'as, Esta. C'est trop joli comment ça ah fait. Ah ouais, moi c'est pas fou quoi. C'est attends, ça. Je suis pas encore proche de toi, je vois pas. Parce que, enfin moi je trouvais son cam plutôt belle, mais les couleurs, mais bon. Tu vois. Ah si, t'es beau. Statistiques standard. Oh, les pics par contre sont tellement plus grands okay. Maintenant. Bon, on a les écailles, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'activer quoi que ce soit. Du coup, nous c'est bon, on est full. On va juste l'amener lui à sa grotte quoi. Mais... Ah, depuis le panneau direct, t'as pu le faire? Non, justement, mais vu que c'est un truc qui s'équipe pas, parce qu'en fait c'est des écailles, je pense que c'est de la défense quand même de base. D'accord. On est plus tanky encore. Allez, les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette petite session. J'étais en train de regarder justement au niveau des dinos et ouais, le Triceratops il a quand même plus de dégâts et plus de défense encore que le dino qu'on vient d'utiliser. Donc franchement, il y a des dinos qui sont très forts en herbivore quand on voit un petit peu, parce que là on a plus de notions avec ce qui vient de se passer, des dégâts qu'on pouvait faire. Je voulais juste vous montrer. Bah, j'aurais dû le refaire avec lui. Bah, tiens, quelqu'un qui est grand. Ah, remarque, je peux peut-être recréer le même. Attendez, test. Ah, je peux recréer le même. Alors attendez. Je recrée le même dino, c'est juste pour vous montrer la différence. Regardez. Parce qu'on se rend pas compte d'à quel point on a grossi dans le jeu. Mais regardez, de base, on a spawn, on était comme ça, tout petit. Alors forcément, la caméra est zoomée, donc en fait, elle dézoome au fur et à mesure qu'on grossit, donc on se rend pas vraiment compte d'à quel point on grossit. On a commencé comme ça. Et maintenant, on est comme ça en adulte. Je devrais faire ça à chaque vidéo, en fait, remontrer le début et la fin, je trouve que c'est intéressant. Ouais, donc en adulte, vénère quand même, hein. Bon, en tout cas, la session a été très sympa, on s'est bien amusé. Alors c'est vrai qu'on se rendait pas forcément compte de la force qu'allait avoir notre dino ou faiblesse et tout ça. Donc à le savoir, à refaire, je pense qu'on referait peut-être pas trois fois le même dino. C'était peut-être un peu fort d'avoir un pack de trois avec ces gros dinos-là quand même. Bon, encore une fois, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Mais dans l'idée, en tout cas, je pense qu'à refaire, on ferait plutôt un petit mix entre plusieurs herbivores si on devait reprendre un herbier un peu chaud comme ça. Ou à moins qu'on soit que deux, à la limite. À la limite, deux encore, ça passe. Mais j'avoue que trois, c'était peut-être un petit peu badass quand même. Hein. Mais bon, c'était quand même sympa. Après, il faut se dire aussi que c'était les débuts du serveur. Donc forcément, bah, on est arrivé au début. Donc on faisait partie des plus grands. Pareil, hein, si on avait croisé peut-être un peu plus d'adultes, même des rex et tout. Parce qu'on a croisé des rex de loin, mais qui n'avaient pas totalement évolué non plus. Donc il y a peut-être moyen que ce soit plus intéressant. Mais bon, c'était pour la première vidéo du serveur à l'occasion. Histoire de tester un peu comment ça se passe. Et pour le coup, bah le compte-rendu est plutôt positif. Juste pour justement vous en parler vite fait avant de terminer cet épisode. Sachez que le serveur, on était donc au tout début. On a dû faire 2-3 restarts parce que le serveur s'est peuplé quand même assez vite. On est arrivé quasiment à 100 personnes en une demi-heure peut-être après la vidéo. Du coup, il y avait quand même des lags. Franchement, il y a des gros lags à 100 personnes. Donc derrière, comme j'avais expliqué dans la vidéo annonce du serveur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé progressivement le nombre de slots. À l'heure actuelle, on est arrivé à 55, donc on a quand même bien baissé. Mais franchement, à 55, vous voyez que bon, autour du lac, il y a toujours des gens, donc on croise quand même des gens. Et franchement, à 55, bon, vous l'avez vu sur la fin, il y a des petits passages dans la vidéo où c'était peut-être où on était un peu plus nombreux avec un peu plus de lag. Mais sinon, d'une manière générale, à 55, bon, on en a parlé. De toute manière, c'est quand il y avait les derniers fights et tout ça.
Bah vous avez vu que ok il y a des petits lags mais franchement ça reste quand même assez fluide, c'est très jouable donc voilà c'est plutôt sympa et pour moi il faut pas descendre plus. Donc ça nous aura permis de paramétrer un petit peu le serveur. Ce que je pense c'est que je vais très certainement ouvrir un deuxième serveur du coup. Je l'ai pas encore fait, faudra que je me mette un petit peu dessus là, j'avoue que j'ai pas mal de choses à faire aussi les prochains jours. Donc je sais pas quand je vais le faire mais j'essaierai de le faire quand même assez rapidement pour que justement les gens intéressés aient la possibilité de... D'avoir un autre serveur où se réunir aussi serait quand même assez cool. Puisqu'a priori, il y avait 100 personnes qui étaient intéressées déjà, donc... Enfin, au minimum. Donc, il y aura de quoi peupler les deux serveurs, très clairement. Voilà, donc je pense que ce sera sympa que les gens puissent se réunir entre FR. Sachant que c'était plutôt cool, j'arrive plus à parler, ça y est. C'était plutôt cool, franchement, voilà, cette première session, dans le sens où, vous avez vu, on a croisé quand même des gens... Il y a eu des scènes assez sympas. Je dis pas que c'est des scènes super RP par moment, mais franchement, c'est cool, quoi, c'est marrant à jouer. J'ai trouvé ça très cool aussi, bah justement qu'on a eu l'occasion de croiser un autre herbivore qu'on a fait rejoindre notre petit pack et tout ça. En fait c'est cool parce que on sait que c'est la communauté, donc on sait qu'on joue avec des viewers et je trouve ça trop bien. C'est aussi pour ça que je voulais faire un serveur commun, c'est que peu importe qu'on ait des interactions avec eux en mode ennemi ou qu'on se croise juste, ou même comme le Sarko, voilà, on s'est croisé en mode un petit peu pote sans être groupé, je trouve ça sympa. Et le joueur qu'on a intégré à notre groupe, bah, c'était vachement cool quoi, ça a mis une session qui a changé un petit peu, on était passé en mode parent, on était là pour le protéger et tout, donc ouais j'avoue que la dimension est cool, et d'autant plus cool que voilà on sait que c'est la communauté quoi, donc c'est vrai que c'est très sympa, moi j'ai vraiment apprécié, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était pas forcément le dino le plus intéressant par contre je trouve, voilà encore une fois il n'y avait pas énormément de compétences, mais c'est un dino qui est quand même assez badass, j'avais envie de jouer aussi un herbivore pour changer un peu. C'est vrai que c'est moins joué les herbivores, mais je trouve ça vachement intéressant personnellement. On en refera d'autres hein, de toute manière aussi à l'occasion. Je pense que les prochains qu'on va faire, c'est potentiellement Spino ou Sarko, un truc qui va dans l'eau et tout, pour changer un petit peu aussi de gameplay, qu'on ait vu un petit peu les différents gameplays possibles. Mais ouais, sur le serveur, franchement, je vous encourage à jouer des herbivores, parce que on le sait, sur ce genre de jeu, c'est le type de dino qui est le moins joué, et pourtant ils sont très très forts, déjà de 1. Et de deux, moi je trouve ça vachement cool quand on est en carnivore d'avoir un petit groupe de voilà d'herbivores à essayer de chasser. Même si je me fais démonter ou quoi, ou même si c'est dur ou quoi, je m'en fous, mais c'est sympa en fait d'avoir ce côté chasse, ce côté track. Et quand c'est que des carnivores, bah il y a moins cette track parce que c'est vraiment des équivalents et tout, c'est différent. Alors que je trouve carnivore contre herbivore, il y a vraiment quelque chose d'intéressant quoi. Donc vraiment jouer des herbivores, c'est trop cool quoi. Et ça peut mener à des actions très sympas. Bref, sur ce les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Bien évidemment, le but du serveur, c'est qu'il y ait des vidéos aussi assez régulièrement, hein, puisqu'on est sur un format qui est plus court aussi pour grandir, donc c'est plus simple pour moi aussi de produire du contenu et qui soit intéressant. Donc voilà, on va bien évidemment s'essayer sur deux nouveaux dinos, surtout maintenant qu'on sait que le serveur est à peu près fluide, c'est quand même assez... Assez agréable quoi. Donc voilà, merci à tous encore une fois, merci à tous ceux qui ont rejoint en tout cas le serveur, j'espère vraiment que ça vous plaît, à ceux qui ont pu le tester. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt les amis.